Je commence à installer ça, on commence à partir là-dessus, et puis je vais faire mes essais pour voir le dessin. C'est sûr. Ah, peut-être les tables d'abord, pour pas mettre des choses au sol. Ouais. Oui, il y a une petite chose. Il y a une chose qui fait ça. Une petite bague. Une petite bague. Ah oui, voilà. Okay. Très haut comme ça? Oui, c'est ça. Okay. Oui, on lève. 1, 2, 3, 7, 20. De toute façon, il faut trouver. Ok, tu vas accrocher. Et il faut faire le. Il faut que je le fixe, le point de vue, parce que moi, je dois le voir. Attends. Mon point de vue, il est là. Ok. Ok. Donc, toi, tu recules avec ton camion. Si. Tu mets ta. Ta tige, il faut la fixer. Et puis, on fait le fil à plomb exactement ici, et après, on peut installer tout le reste. Oui, le doigt de la statue touche, depuis le point de vue, touche la corniche, la première, deuxième, troisième corniche en montant. Et à partir de ça, il y a les lignes partent de là, ils vont toucher le sommet, puis ils redescendent, chercher un point bas, puis un point haut, point bas, puis un haut, et c'est un zigzag qui va parcourir tout l'ensemble de cet univers châteautique. Bravo, Martin. Voilà, comme ça, ici. Ici, clac. Vas-y. D'accord. Voilà. Bon. Voilà, c'est là. Levé. Voilà, bravo. Strike. Bon, c'est à peu près comme ça. Et puis après, on doit allumer pour voir où ça. Non. Là, oui. Là, c'est bon. Martin, mets-toi à la place de Noélie où il y a la voiture et tu vas aller jusqu'au sommet là-haut pour voir si tu y arrives. Il faut que je place ma machine de manière que ce doigt-là, il arrive à toucher cet angle ici. On fera le point ligne droite par droite. On va placer une ligne au premier plan. Venez devant l'entrée principale et vous allez toucher le sommet là pour voir. Normalement, vous devriez y arriver ici devant. Oui, je vois, d'accord. Et